Et salut les amis. Aujourd'hui on va au Fenouiller là-bas. On part tranquillement de la maison, on s'échauffe, on va aller rejoindre les copains et puis troisième sortie d'affilée. On va encore le marquer sur un calendrier. Non là c'est que du plaisir. Tu sais quoi, ça faisait longtemps que toute la semaine j'avais pas hâte d'être au week-end pour aller faire un petit tour de vélo. C'est un régal. Plus qu'à peaufiner un petit peu les réglages et ça va être top. Allez, ça part de là. Allez, ça part de là. On a retrouvé les copains. On va attaquer l'ascension du Fenouiller. Oh, je suis déjà en croix. Pas physiquement, enfin pas essoufflé, mais on a fait... J'ai fait foot sale jeudi, ça faisait un moment que vous avez vu mon niveau en sport. J'ai pas eu mal vendredi, mais alors hier, tout à l'heure, je marche plus. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment mal aux cuisses. Alors on verra ce que ça va donner. Parce que là, j'ai même du mal à appuyer sur les pédales. Oh con, ça fait mal. Hein. Allez, ça part de là. Allez, ça part de là en montée. Je vous ai choisi pas la montée la plus. Je sais pas si elle est facile ou pas, je la connais pas celle-là. En tout cas, c'est sympa. Comme quoi, tu vois, on peut être du coin et découvrir encore des petites brailles grâce à notre petit Pascal. Allez les gars, on avance. Là tu l'entends là. Ah. Là tu l'entends hein. Ah, je suis en forme. Tu l'entends la descente. Allez, ça monte toujours. C'est toujours aussi joli. Bah, la petite montée qui nous a ramené sur la... Bah, je sais même plus où on est là d'ailleurs. Ah ouais, on a basculé sur toute la montée là. Ouais. On est de l'autre côté carrément après le chêne et tout. Putain, génial. On a passé le chêne et tout. Génial. Ah ouais, la petite rampe en béton qui va nous emmener à la première descente. Bah, je la trouve moins dure que la dernière fois. Bah, c'est peut-être parce que la dernière fois j'étais en musculaire. Peut-être pour ça. Allez les gars! Allez, par contre. Et pas seul. On va par là. Celle-là, elle est raide. Première descente. Ah, allez, on va voir si les petites touches sur la suspension, ça a amélioré la chose ou pas. On agissait devant notre ami du noir, il est venu nous rejoindre. Il est venu se sécher un peu, il était tout mouillé quand il est arrivé. Et il m'a dit, je taquine pas en descente, ça va, il en voit, hein, je le suis pas. Ça va JC? Hein? Reste un petit peu en avant sur le vélo, tu passeras pas par-dessus et tu auras plus de grip sur la roue avant. Joli! Hop là! Attention, attention, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive! La gamelle, c'est la vignette! Hein. Joli! Allez, deuxième partie. Bon écoute, là pour l'instant les premières sensations, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux en suspension. Du coup j'ai ouvert un petit peu les basses vitesses de la fourche en laissant 90. Et derrière je suis redescendu à 180. J'ai l'impression que c'est pas mal. Go go go! Go 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 go! Ah je me régale. Ça se voit pas là, mais j'ai la balade! Hihihi! Bon, on va reprendre, on va se régaler. Tiens, là, j'en oublie presque que j'ai un gros vélo entre les cuisses. Ça, c'est bon.
remuscler la bête et puis ça va être top. Ah, allez, c'est fini pour celle-là. Allez, ce qu'il y a de bien là, c'est que pour l'instant on fait que descendre. Après on va m'en remonter par contre. J'adore l'accro pour ça. Putain, ils ont aseptisé là. Allez, c'est parti, on va se monter. On va se remonter jusqu'aux crêtes. Un long petit moment. Tranquillement. Allez, on est toujours dans la montée là. On va aller chercher le petit coup de cul de l'amour qui tue. On verra bien ce que ça donne avec l'électrique. Et là ça monte tranquillement. Écoute, je revis, je me régale. Franchement, je sais que je le dis encore une fois. Hein. Manque de budget, c'est que ça faisait un moment que vous me disiez pour certains d'entre vous, mais voilà. En plus, j'arrive à trouver mon équilibre entre forcer un petit peu et être mieux que moins fatigué que sur le musculaire. Donc, la sortie, ben, forcément, quand tu arrives en descente, t'es pas crevé, donc je me fais plaisir. Alors que dernier temps, je souffrais en montée et idem en descente parce que quand j'arrivais, j'étais plus oxygéné. Voilà, là reste encore à trouver un petit peu ses marques sur le vélo, mais là, en tout cas aujourd'hui c'est sorti un petit peu moins, des descentes un petit peu moins violentes, un petit peu moins raides et tout ça. Du coup je me suis bien régalé jusqu'à présent. Franchement, de bonnes sensations. Donc écoute, on va continuer cette sortie avec la banane. On va aller chercher le coup de cul. Et puis voilà, et puis ça fait du bien aussi d'être avec les copains. C'est topissime. Allez, on y est, je vous ai pas menti. Ça là, l'envoi du pâté. Bon, enfin, plus. Ça va, je vais pas me plaindre. Hein. Elle me semblait plus dure avant. C'est un palais. Franchement. C'est un palais. Et je suis en écho là. Et je monte. Il est vraiment top ce vélo. Allez, c'est fait. Allez, on est arrivé sur les crêtes. Là, ça va descendre un petit peu, je crois. Ça fait longtemps que je suis plus vieux là. Putain, ça fait un moment. Ouais, c'est là-dedans, tu vois, qui est. Je suis pas encore bien. Il rebondit trop là-dedans. Allez, ça remonte tranquille sur le flanc de contour. Avant ça, j'arrivais à le faire sur le vélo. Avec l'électrique, je sais pas trop comment m'y prendre pour les petits passages comme ça. On verra bien. C'est pas joli. Putain, c'est festival de descente aujourd'hui. Aujourd'hui, festival de descente. Brap.
prenez pas là non plus. Ah ah ah, on est pris dans les bouchons. En bas on a droit à un jeu de plaquettes. Allez, ça passe. C'est bien parce que je commence à lui faire un peu confiance. Ah, ouais. Oh, okay. Allez Jean-Louis. Allez Jean-Louis. Hey, tu l'as filmé là? Tu vas où? Coucou Pascal! Allez, c'est reparti. On s'est arrêté entre et c'était pas terrible. Ouais, il nous a gâté là le Pascal. Je la connaissais pas celle-là. Enfin, je pensais que le chemin était là-bas. C'est pas que... J'ai cru que le chemin il était là-bas en fait. Yes! Allez, que de la belle descente. Là, ça va être un peu moins raide, je pense qu'on arrive là. On arrive en bas. Bon, ben c'est bien, on commence à se jauger tous les deux. Ben, comme je sais que ben, il est raide, du coup, c'est pas bien dans des portions un peu rapides comme là-bas, mais par contre, pour des portions comme ça, je sais que je vais pas passer par-dessus, donc je peux y aller serein. Reste à trouver ça. J'ai toujours l'œil qui m'attire dans le goulet. Avec le poids du vélo, faut faire gaffe parce que s'ils vont m'en arriver. Allez, fin de la descente. Allez, Pascal, il nous a trouvé une petite montée. Ça va, ça aurait pu monter. C'est là que t'apprécies d'être en VAE là. En muscu, j'aurais craqué avant de commencer. Que du bon. Et tu vois, avec Pascal, ce qu'il y a de bien, c'est que si c'est trop facile sur de la DSI, il te trouve de suite un petit single pour que ça soit un petit peu plus cardio. En même temps, c'est plus joli. Allez, JC! C'est comme en Bretagne, mais en moins plat. Allez les gars, c'est sur le vélo là. Allez, c'est l'heure de rentrer. Au top. Au topissime.
Allez, ça continue à monter tranquillou. C'est joli, ça c'est le petit champ de coteau qui longe la route et qui va nous ramener après. Il y a la route de... qui nous ramène jusqu'au chêne tout en haut. Et Pascal a plutôt pris le flanc de coteau que les mimosas, parce qu'on peut le faire. Moi je trouve qu'elle est, elle est sympa. Ouh. Là tu virevoltes entre les arbres. Après t'as un petit tronçon de descente. Bon, vraiment micro tronçon de descente, mais c'est pas mal. Ça te ramène à la route tranquillou. Bon, après derrière ça monte encore. Et les copains ils sont là-bas. Allez, on a récupéré le petit dragon pour monter. Ça passe. Bon, ça c'est bon pour le moral, on va faire des petits trucs comme ça. Ah, je suis content. Allez, la dernière normalement, la dernière montée. Après, festival de descente encore jusqu'en bas. Allez, impeccable. C'est fait. Ça fait tellement que je prends le temps, je suis pas venu. Je me rappelle même plus le nom de celle-là. Pas où j'en suis par rapport à avant, parce que c'est tellement longtemps que je l'ai pas pris. En tout cas j'ai de bonnes sensations. Les plaquettes, elles mangent encore leur race. J'aurais pu passer par là-haut. Mal regarder. Ça fait moins peur qu'avec la tchimpa. Je suis mieux. Ouais, génial. Première partie validée. Allez, papy Alain, qui est le même crafty que moi. En 2022. Ça a été ? Super. Allez. Joli. Voilà. Joli. Il arrive. Là, faut passer juste entre deux arbres, mais faut, ça passe. Ah, ça a raviné là quand même. Vas-y, je t'attends, c'est pas grave. Là, c'est que des vires au lot. T'es parti? Essaye de te mettre un petit peu en avant sur le vélo. Ça va t'aider à tourner.
Ça t'aide de te mettre un peu plus en avant ou pas? Hop là. Là, ça fait que tourner. Et c'est là où il y a le rocher sur la gauche, mais ça passe tranquille. Derrière, ça remonte. Et c'est là que tu as le petit toboggan que je t'ai dit. Si tu le prends à droite, ça va. Allez, on va attendre un peu là. On va passer par là. Ça va là? Je me rappelle plus de celle-là. Là, il faut casser la gueule, ça m'a. Oh, putain, j'aurais pu passer par là. Ça passe sur le rocher, c'est. Un peu trop pillé là. Allez, ben nous voilà à la fin de cette dernière descente. Il n'y a plus qu'à rouloter jusqu'au parking, la fin de la sortie. Un régal encore une fois, hein, franchement. Troisième fois avec mon petit Moonraker. Je ne sais même pas d'où je l'ai acheté. Je l'ai acheté à Funway à la Garde. Et à, pour ceux qui sont du coin, Kevin qui me l'a vendu. Franchement, un super vendeur à l'écoute, arrangeant. Je vous conseille, en fait, d'y aller. Plus les vélos, ils sont pas excessifs en prix. Il y a des belles promos en ce moment. Donc voilà. Bon, ça, c'était la petite aparté. Et bien, encore du plaisir au guidon. Les fourches, les amorteaux un petit peu mieux aujourd'hui. Il me reste encore à travailler dessus, mais je me suis senti plus à l'aise. Descente, on s'est régalé. Montée, ben, bon, pareil. Peut-être aussi la forme revient un petit peu, donc c'est que mieux. Être avec les copains, rigoler, c'est le top. Et en plus, dans un coin comme ça, à la croix, c'est magnifique. Bon panorama, belle descente. Enfin voilà, que du bonheur. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à dimanche prochain. Une bonne fin de week-end à tous. Allez, faites du VTT, n'oubliez pas. Hein.